Force, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom. Dans ce nouvel épisode de Quantum Break qui m'a complètement couaqué dès le départ. Oh, un train qui vole! Oh, un train qui rembobine! Oh, un train qui s'arrête. Terminus, tout le monde descend, mais il y a une grande marche. Se trouvait dans la tour Monarque, la contre-mesure. Chez Monarque, on l'appelait RCC. C'était la clé de la capsule temporelle, le plan de survie de Monarque. Mais ça vous laissait de marbre. J'avais un meilleur plan. La mienne est plus grande, c'est moi qu'il faut écouter. Oh, d'accord. Hop, y'a rien dans le coin. Oh là là, ouais, je m'en loot un petit peu. Tout va bien. Merde. Tout va bien. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, ce sont des d'accord. Avec une... What the... Oh, bonjour. Ah oui, c'est vrai. Mais merde. Oh la vache. Et tu vas te calmer, oui. Tiens, j'en ai mis une balle dans le dos. Oh là 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 là. Meurs. Meurs. C'est bon, j'en ai eu un. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme arme? Ouh, ça, ça va être rigolo. Allez, viens. Boum. Toi, t'es mort. Boum, toi aussi. Ok, pistolet rafale, ouais, non. Wow. Ah bah. Faut me le dire que je dois me décaler. Bah, du coup, je vais revoir un combat. Alors, vous allez popper de où? Là, ils ont pop. Non? Ça y est. Bon, je l'ai eu, mais avec une balle de trop. Wow! Lui aussi. Ouh. Hop. Hop. Bouge-toi. Voilà. Parce que la grenade devait pas être loin, si? Non, ça va. Ok. Putain. Ah, je peux pas l'arrêter du tout. Hein. Hop, les. Ah, bouffe. Mais merde. Et ils sont balèzes. Hop. Wow. Bonjour. Hop. Mais lâche-moi. T'es quoi, toi? Oh là là, t'es un gros, toi. Boum. Wow. Hop. Mais lâchez-moi. Bon Dieu. Tiens, bouffe. Ok, lui, je sais exactement comment je vais me le faire, mais j'ai plus de balles. Ok, on dirait vraiment un pistolet en plastique. Je veux pas dire où est-ce qu'il est. Boum, voilà. Bon, où est-ce qu'il garde la contre-mesure? Ça devrait pas être trop dur à trouver. C'est juste... Est-ce qu'il y a un sac à dos dans le coin? Faut que je récupère des munitions pour le shotgun. Un sac à dos. Et apparemment, il y a aussi une radio. Un objet narratif, ok. Voilà, bon. Le temps est dans la merde, oui, effectivement. Oui, tu as raison de le dire, c'est bien. Non, 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 regardez, voilà. C'est ça, c'est pour ça que je cherchais pas. Je savais qu'il y avait un truc qu'il fallait que je fasse. Hop, voilà. Ok, c'est bon, on est bon. Bon, je laisse le shotgun. Non, je vais prendre le petit flingue, ça va être mieux. Hop. Ah. Ah, ah, ah. Je sens quelque chose.
Pardon, le protocole, excusez-moi. Jack, j'espère que vous m'entendez. Fiona ? C'est vous ? Oui, j'étais pas sûre d'arriver à faire un test. Je suis censée avoir ouvert la porte. Écoutez, le RCC ne va pas être facile à récupérer, mais vous pouvez y accéder par le bureau de Serena. Un ami à moi a ouvert la salle du RCC, et le reste de la zone est toujours bouclé. Je crois que je peux vous aider, comme ça. Oh, merci. Hop. Ah, je l'ai raté. Ah, là voilà. Hop. Merci. C'est bon. Très bien. Apparemment, il y a un truc ici. Je peux remonter le temps de la télé, carrément. Bienvenue au siège international de Monarch Solutions. Cet édifice à la pointe du progrès est célèbre dans le monde entier pour son architecture unique et sa place centrale dans le paysage de Riverport. Bénéficiant d'un degré sans précédent d'automatisation, conçu dans le respect des dernières normes de confort et de sécurité, et doté d'une empreinte carbone nulle, ce bâtiment constitue un lieu de travail sûr et écologique pour des milliers d'employés de Monarch. Monarch Solutions, notre priorité, c'est l'avenir. Empreinte carbone nulle. Bah dans ce cas, personne ne craint rien. Tu es content de quelqu'un qui marchait, j'ai pas rêvé hein. Enfin bon, bonjour. Je vous croyais, ils ont dit que vous étiez mort. Ils se trompent sur bien des points. J'ai une petite tâche à vous confier. Mais vous êtes, enfin je suis pas sûr de devoir avoir... Vous travaillez toujours pour moi. Oui, bien sûr. Tout ce que vous voudrez, monsieur Hatch. Oh, on peut pas savoir, quel dommage. What? C'est qui commence à écrire des choses dans le ciel? Ça va plus, là, les mecs, hein. Là, ça va plus, hein. Ils commencent à écrire des trucs dans le ciel, c'est... Pourquoi pas, après tout. Bonjour. Pauvre, il a pas la moindre idée que le train a déraillé. J'espère qu'il aura pas une crise cardiaque quand le temps redémarrera. J'espère qu'il se fera pas écraser par le train quand le temps redémarrera. C'était ça le vrai problème. Jack. Désolé. C'est l'heure de la pause. Bonjour, j'aimerais le bureau de Paul, s'il vous plaît. Non ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui se passe au juste ? Je m'attendais à un poil plus d'organisation. Monarch est passé à la vitesse supérieure. Note sur les communications de l'intérieur, interruption bloque tout, même les ondes radio. J'ai utilisé les terminaux analogiques, anti-interruption à la place. D'accord. Pablo Torres de Luther Talbot. Non, j'aurais pas à le lire. Ça fait longtemps. Alors, moi, c'est peut-être une semaine que j'ai pas joué au jeu. Hein. Je crois que le jour J se rapproche. Tu ferais mieux de te planquer dans une zone anti-interruption. J'arrive pas à croire que ce soit vrai, mais t'as vu ce qui se passe dehors. La moitié du monde marche sur la tête. Heureusement qu'on est ici. Je sais pas ce que la suite va donner, mais au moins on a une chance de s'en sortir. On réussira peut-être à trouver à corriger le tir, pardon, plus tard. Bientôt, nous trouverons sûrement une solution. Pas vrai. Oh, et au fait, si tu vois cet enfoiré de Jack Joyce, dégage sans demander ton reste, ok? J'ai parlé avec Larry, j'avais jamais réalisé, je pensais que ce type était juste discret ou vénard, mais j'ai lu des rapports sur le terrain et c'est une vraie machine à tuer, se fumer dégomme tout ce qu'on lui envoie dans la gueule. Je sais que cet endroit est sûr, mais je me dis qu'il finira par débarquer tôt ou tard. Il paraît qu'il a des comptes à régler avec Seren, alors quand il se ramènera, reste en dehors de son chemin, laisse les bidas s'en charger, enfin, s'ils peuvent. Si Joyce en a après Seren, il risque de l'avoir très mauvaise quand il s'apercevra que le patron serait tiré en hélico. T'en sais plus à ce sujet, c'était quoi ce délire, putain. Bref, ça va chier. On se verra quand l'affaire se sera tassée. Fais gaffe à toi, mec. Fais gaffe à toi, mec. Je sais pas pourquoi il parle comme un noir, mais... Raciste. Non, j'agole. Eh ben, sors pas. J'ai plus l'impression qu'on lit dans leurs pensées, finalement, qu'on entend que ce qu'ils...
Oh, c'est long tout ça. Les protocoles de sécurité capsule temporelle sont entrés en application. Notre système anti-interruption est tombé en panne et nous a signalé la présence de chronautes dans le bâtiment. Vous connaissez tous la procédure, nous ne sommes pas entraînés pour cette situation, n'approchez pas les chronautes tout seuls. Souvenez-vous bien qu'ils ne sont pas restreints par l'espace physique de la même manière que nous. Déployez des absorbeurs et surveillez vos arrières. Travaillez en équipe, appliquez votre tactique et gardez vos distances. Ne prenez pas de risques inutiles. L'interruption perturbe le fonctionnement des communications, alors passez le message aux autres et échangez le plus efficacement possible lorsque les interruptions s'effondre. Nous essayons de réparer le système anti-interruption au plus vite, mais pour information, à la différence de notre chronologie précédente, qui nous a laissé des années pour nous préparer, nous pensons être maintenant tout près du point zéro final. À chaque interruption qui se produit, on a de plus en plus de chances d'être la dernière, pardon. Celle qui durera l'éternité. Cela signifie que nos priorités ont changé. Le plan capsule temporaire est entré en application et notre seul objectif est d'assurer la réussite, qu'il faille pour cela affronter des chronos, Jack Joyce ou qui que ce soit d'autre. Il est essentiel que nous nous rappelions tous notre entraînement. Si nous procédons correctement, nous nous en sortirons et nous parviendrons à rejoindre la capsule temporelle. Bonne chance et faites en sorte que je sois fier de vous. Clarisse Ogawa, une inconnue au bataillon. Et par là, y'a rien. Ok. Bon alors les mecs, vous voulez que je mette Charlotte of Fire? Pam 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 pam. Merci d'avoir laissé la porte ouverte, cela dit. Oui, dégage de mon ascenseur. Voilà, dégage de mon ascenseur, s'il te plaît. Merci. Hop, je veux monter. Je me rapprochais de la contre-mesure. Paul avait la solution pour arrêter la fracture depuis le début. Mais il l'avait pas compris. Il n'y avait rien à comprendre. Il pensait que le processus était irréversible. C'est pour ça qu'il s'est servi de la contre-mesure, du RCC, pour créer la capsule temporelle. Oh la vache, il y a des entités hors du temps. Comme le docteur Kim. Putain, c'est Hatch. Putain, mais c'est quoi ça? C'est Hatch. Oh, merde. C'est Martin Hatch. Lui, c'est une entité du hors du temps qui doit réussir à se contrôler. C'est pour ça qu'il parlait de libérer son ami. C'est comme lui. Vous pouvez m'ouvrir cette porte? Il est exactement comme lui, sauf que lui, ses goûts lui permettent de... Je jure, c'est les goûts dans les yeux. Elles lui permettent de rester dans le temps. Cassez-vous. Wow. T'es mort. Hop, toi t'es mort aussi. Je le vois pas. Oh, j'adore ce flingue qui met tout à côté. Hop. Et même lui, on a l'impression qu'il contrôle pas où est-ce qu'il va. Hop, c'est bon, je l'ai eu. Ouh, c'est chaud. Bon. Qu'est-ce que... Ah, j'aimerais sortir de... Des gros, deux gros. Va falloir faire mieux. Toi t'es complètement à l'arrêt mon pote hein. Aïe. Hop. Hop. Hop, verrouillage de cible, what the...
Salut la fille. Salut l'ami, pardon. Hop, et de 1. Ah la vache, je l'ai pas eu. Hop, là je l'ai eu. Hop, ça c'est bon. Sac à dos. Sac à dos, sac à dos, sac à dos. Personne n'a laissé son sac à dos dans le coin. Merde. Moi qui avais juste à moi besoin d'un sac à dos. PR protocole, protocole DRP. Monarque solution réagit face à la tragédie. Aucune agression publique. Privilégier la coercition, manipulation et la violence. Contre une menace terroriste. Tout contenir et tout fait manipuler. Autorité fiable et amicale. Contrôler le maire et la police de Riverport. Monarque assiste les autorités. Nommer Sed Mac au contrôle des médias, à la place de Radford. Fabriquer de la menace terroriste, Jack Joyce. D'accord, donc là on est arrivé aux gens qui commençaient à contrôler toute l'histoire. Guerre d'information, voir Charlie Wincott pour les détails. Inonder les réseaux sociaux, sites médiatiques avec des réécritures et des événements. Nettoyer les rapports légitimes avec des allégations contradictoires. Dépeindre les fauteurs de troubles comme des extrémistes torturés. Atteindre la masse critique, des imbéciles s'empresseront de jeter de l'huile sur le feu. Beau plan, beau plan, beau plan. Un sac à dos depuis le temps que j'en cherchais un. C'est pistolet lourd. Ah, ça y est. Il était temps que j'avais un pistolet qui tape, quoi. Hop, vas-y, recharge. Hop. Recharge. C'est bon. Hop, là, j'ai un pistolet qui tape. Le problème, c'est que sur ce truc-là, tout à l'heure, on a vu... Ils ont une entité à la con. Hop, bonjour. Vous m'avez dit que Hatch et Paul s'entendaient à merveille. C'est pas ce que j'ai vu. Ils ont eu ce qu'on appelle... Un léger différent. Différent. Différent avec un dé ? Tiens donc. Alim. Donc de Vera Kovacs à Alim Loudon. Alim, tu savais que Hatch est hors course ? Je ne sais pas ce qui s'est passé au juste, mais Holden du service acquisition m'a dit que Hatch avait sacrément contrarié ses rênes. Il a peut-être fait sauter quelque chose sur l'île, honnêtement j'en sais rien, et Holden non plus. Cette histoire a l'air dingue, même selon les critères de chez Monarch. Bref, Holden m'a raconté que Hatch a été escorté hors de son bureau par des gars armés de la sécurité, rien à voir avec une escorte ordinaire faite par un vigile. D'après Holden, c'était du sérieux, j'imagine que Hatch est foutu, bon débarras, on va peut-être enfin pouvoir bosser sans qu'il se la joue Dark Vador pour un oui ou pour un non. Ce type m'a toujours fichu la trouille. Oh, j'allais oublier, tu avais raison, le docteur Amaral est revenu. Je croyais dur comme fer que Joyce allait la tuer, mais non, elle s'en est sortie. En tout cas, je suis pas contente de m'être trompée sur ce coup-là. C'est une femme bien. Et son retour tombe à pic, la situation dégénère sérieusement dehors, je commence à vraiment à réaliser qu'on a de la chance d'être ici plutôt que coincé à l'extérieur dans la folie ambiante. Il paraît qu'il pleut des avions maintenant, c'est pas croyable, il pleut des trains aussi. Ce qui est encore plus difficile à comprendre. J'ai entendu une grenade, mais c'est dans ma tête. Allez, sur un pont, ça ressemble à un duel. J'essaie d'atteindre la passerelle. Compte sur moi. Par contre, j'ai pas de son. Monarque était à bout de souffle. Ah ! L'empire de Paul s'effondrait de toutes parts. J'avais jamais rien vu de tel. Mais Paul, si. C'est à ça qu'il s'était préparé pendant toutes ces années. Sans Est-ce qu'il s'effondre ? J'aurais juré que ça venait par là. Oula, c'est complètement brisé par là. Bon. On va s'éclater. Ça va être rigolo. De merde. Ça va être rigolo. Juste là. Ok. Vas-y, fais péter. Hatch, ça va pas être quelqu'un de bien à toi à péter. Hein. Ça, c'est fait. Ok. Vas-y, fais péter. Je viens de revoir. Time Patroller? What? Attendez, faut que je lis Tam Time. J'ai pas le temps. Time Splitter. Je sais pas ce que c'est. Oh, bon ça va, c'est pas trop long.
Oh non, 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 pas... Ah, salut Sophia, je n'ai toujours pas eu de nouvelles de tes nouvelles concernant mon scénario. Je sais que tu es débordé, mais le projet prend de l'ampleur, du coup ce serait bien d'avancer, qu'est-ce que tu en dis? J'ai pas l'ombre d'un doute, ça va cartonner. D'ailleurs, je viens d'hypothéquer ma maison pour me donner les moyens de réussir. Je compte bien suivre mes rêves, une fois que je leur ai lancé le financement participatif sur Kickstarter, je rembourserai l'hypothèque sans aucun problème. J'ai tourné un petit clip promotionnel pour la campagne KS, pour apprendre Kickstarter. Dis-moi vite ce que tu en penses. Je joue dedans, mais j'ai aussi un super rôle pour toi. Si tu acceptes de jouer, tu seras génial dedans. Sinon... Comme je te disais, j'aurais besoin de ton avis scientifique rapidement. Tiens-moi au courant rapidement. C'était lui, en fait. Voilà. Deuxième détail. Le jeu, là, actuellement, Quantum Break, fait un bid monumental. C'est une vraie boost pour Microsoft. Enfin, c'est une vraie... C'est vrai, c'est pas une bonne nouvelle pour Microsoft, au niveau de sa catégorie de jeux vidéo. Enfin, son côté jeux vidéo, on va dire. Mais, ça ne veut pas dire pour autant que s'ils se mettent à se faire kickstarter, il faut le faire. Honnêtement, le jour où je verrai un jeu Microsoft kickstarter, je vais péter une durite. Ils ne sont pas moins riches comme Crésus. Hein. Mais... Alors c'est ici que le noyau de l'université a atterri. C'est la machine de Paul. Veillez à ce que la machine... Alors. Ah, c'est long. Monsieur, je sais que vous n'aurez pas la possibilité de lire cet email avant de votre retour au QG, mais après avoir... Ah, il envoie directement à Paul Seren. Mais après avoir examiné toute cette affaire sous tous les angles, je ne vois pas d'autre solution que de vous informer de ce que j'ai fait. J'ai désactivé le système anti-interruption du pétiment, j'ai utilisé les codes d'entretien dont je le disposais, sachez toutefois que la gravité de la situation m'a mis à contraint. Martin Hatch ne m'a pas laissé le choix, il a menacé ma famille, je ne savais plus quoi faire. Et c'est toujours le cas, je sais que des autres codes sont ici, les systèmes anti-interruption sont neutralisés, je ne possède pas les harnais anti-interruption, donc effectivement je ne risque rien. Les chronotes n'existent qu'au sein des interruptions et lorsqu'une d'entre elles se produit, je me fiche comme le reste du monde. Quoi qu'il advienne durant l'interruption, je ne cours aucun risque, à moins qu'une désynchronisation ne survienne. En gros, donc les chronautes, les espèces d'entités qu'on voit comme Martin Hatch, enfin moi ce que je pense, celui que je pense être Martin Hatch, ou alors c'est le Dr. Kim, mais ça m'étonne, n'interagissent qu'avec ce qui est en dehors, ce qui est mobile en dehors du temps. Donc nous, littéralement. À mon avis, c'est ça. Mais ce que ça implique, c'est qu'en un clin d'œil, je peux retrouver deux soldats à mes pieds, morts par ma faute, je suis couvert de leur sang, je ne sais pas d'où il vient. Je les regarde en ce moment tout en vous écrivant depuis mon téléphone, ça sent le sang et je ne sais pas trop l'ozone, enfin je crois, et la fumée. Leur uniforme est parcouru d'étincelles, ils seraient encore en vie si je n'avais... Je suis désolé. Je crois que je fais une crise d'hyperventilation. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir, j'ignore pourquoi Hatch a voulu que cela se produise, mais en tout cas, c'est ce qu'il voulait. Je pense qu'il a vu, il a des vues sur la scène, mais pour quelle raison? Vous ne pouvez pas vous fier à cette enflure, monsieur. Je sais que vous êtes proche, mais ce type est le mal incarné. Pardonnez-moi, monsieur, je ne me cherche pas d'excuses, je sais que j'ai merdé. Je ne sais pas comment gérer la situation, j'ai toujours respecté votre volonté, votre dévouement, juste à court d'idées, je ne suis qu'un ingénieur, je suis complètement dépassé. Si vous revenez arranger les choses, je vous en prie, prenez soin de ma famille, n'ont rien à voir dans toute situation. Bernard Riker, technicien senior du chrono. Oh putain. Quand les techniciens comme ça ils disent qu'ils ont merdé, c'est pas bon signe. Ok. Ok. Ok, ça pue. Elle est supposément de l'autre côté du mur. On va bien voir. Hop, permettez, je passe. C'est serré, dis donc. Regarde devant toi. Martin Hatch, je suis persuadé que c'est lui. Ça peut pas être Paul. Et l'interruption s'est arrêtée, j'ai eu du bol en fait. Le train. À tout le personnel, n'allez pas au niveau inférieur, ils ne sont pas sûrs. Je répète, n'allez pas au niveau inférieur. Il semblerait qu'un train ait percuté le bâtiment. Nous maîtrisons la situation. Le personnel a essayé de rester dans les zones sécurisées. Des intrus ont pénétré dans le bâtiment. Je répète, restez dans les zones sécurisées. Est-ce qu'il serait possible d'avoir les derniers trucs que j'ai pas eu, s'il vous plaît? J'ai une autre porte à vous faire ouvrir, Fiona. Vous êtes devant le bureau de Seren. Bien.
Juste une minute, celle-là est un peu compliquée. Seren a accès à la salle du RCC et il va y avoir un type super dangereux qui surveille. Ouais, c'est bon. On sait qui c'est, hein. Soyez prudent, ok ? Liam. Bon. Paul n'était déjà plus là. Note sans titre. Mais il avait laissé sur place la seule chose. Oh là, ça commençait trop long. Hop. Alors, hop. Voici. Voilà. Voilà. Normalement, vous avez eu le temps de lire tout ça. J'ai encore soif, et disons, j'arrête pas de boire aujourd'hui, moi. Je suis une vraie poche. Bon, c'est pas par ici, donc je sais pas où est l'autre. Alors, le bureau de Seren, apparemment. Ah bah dis donc, je pensais qu'il aurait un meilleur PC que ça. Intérêt à la sentir, la vibration, c'est un poil trop long, je trouve, pour moi. Je t'emmerde, j'arrête de jouer. Je veux ce que tu as volé. Oui, bien entendu, le RCC. Si seulement tu comprenais l'importance de cet objet, tu n'y toucherais pas, mais je sais parfaitement que tu t'en fiches. T'as raison, je m'en fiche. Et t'es pas là pour m'arrêter. Oui. Oui, effectivement, tout va se dérouler comme ça doit se dérouler. On se reverra bientôt, Jack. Cette conversation était stupide. Elle ne servait strictement à rien, elle était stupide. Oula ! Oh là, c'est pas la forme, mon pote, hein. Ah, non. J'en ai assez d'écouter tes conneries, espèce de taré. Pourquoi t'en as une gonzesse pour ouvrir les portes alors que tu peux hacker n'importe quoi ? Wow ! Il y a quelques minutes entre les interruptions. La contre-mesure était ce que Paul avait de plus précieux. Tout ce qu'il avait bâti reposait sur la machine. Hop, d'accord, ça c'est le soin. Donc ça devrait être par là. De la lui prendre. Ça c'est. Oh. Oh, c'est long. Bon, alors je vous la mets dans le bon sens. Je vais essayer en tout cas. Oh, t'es sérieux? Bon, voilà le premier mail. Voici ensuite. Oh là là là. Le deuxième mail. Faut que je m'arrête un petit peu plus longtemps. Hop. Le troisième mail. Le quatrième. Et le dernier, le cinquième. Voilà. Bon. J'aime pas quand le parquet craque comme ça. Alors, ok, elle est coulée. Oh la vache, le mec il a son lit dans son bureau quoi. Réflexion sur la fin. Monarque dans l'ombre. Ça a pas dû améliorer son problème de déconnexion de la réalité. Allons-y. Réflexion sur la fin. J'aimerais que mes souvenirs de la fin du temps soient plus clairs, mais la clarté n'est jamais caractérisée. On n'a jamais caractérisé mon existence et le monde n'était qu'un kaléidoscope. L'amalgame figé de plusieurs lignes temporelles enchevêtrées. Toute ma vie, j'ai cherché à fuir, à éviter les chronautes. Autant dire que mon état d'esprit n'était pas propice à la collecte d'informations. Excusez-moi. Et le fait qu'elle n'ait eu de cesse de me traquer, de tenter de me tuer, ne m'a guère aidé. Bess Welder, l'une de mes propres employées, c'était elle depuis le début, mais malheur, piégée par la fin du temps, j'avais beau ne pas comprendre grand-chose à la situation, j'avais senti qu'elle était différente de moi, qu'elle n'avait pas de pouvoir. Je savais qu'elle possédait une technologie, là maintenant animée dans cet enfer. Oui d'accord, là maintenant animée dans cet enfer suspendu. Évidemment, j'ignorais totalement que mes chercheurs développeraient ce même dispositif. Je devrais... apprécier, je suppose, toute l'ironie de la chose, à savoir que son harnais à chronon, mon harnais à chronon, m'a donné l'idée du plan capsule temporelle. Cette idée selon laquelle notre technologie permettait à l'humanité de survivre à la fin du temps, j'imagine que je peux me la remercier pour ça, elle aurait fini par payer pour ses crimes, sans laisser sa marque sur moi. Je sais que l'heure de payer pour mes propres crimes approche à grands pas, mais j'ai encore un peu de temps. Si j'avais un tant soit peu maîtrisé mes pouvoirs quand Wilder et moi jouions au chat et la souris à la fin du temps... Les choses auraient été bien différentes entre nous, elle était forte, entraînée, j'étais jeune, faible et terrorisé. Malgré tout, mes capacités me donnaient un avantage certain, une chance pour moi qu'elle n'ait pas eu la tenue de soldat intégral. Elle avait l'ascendant sur moi, j'apprendrai à maîtriser mes pouvoirs que bien plus tard. À cette époque, ils étaient imprévisibles, instinctifs, pardon. J'arrive plus à lire. Très difficile à contrôler, mais ma force est de... Bon. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mes forces est de constater que ce n'est pas le cas...
Pour Jack, il progresse à vitesse grand V et s'inhérant à sa personne, il a toujours été prompt à agir, audacieux, flexible, à moins que la fracture ne l'affecte lui aussi. Je pensais que nous pouvions le maîtriser, cela nous a coûté très cher, c'est une erreur que je ne referai pas deux fois. Oula ! Aurions-nous fait de Paul Seren notre ennemi ? Putain. Il faut pas marcher, soit. Il faut pas faire la marche. Les marches, il connaît pas. Hop, c'est bon. Tiens, tiens, qu'est-ce qu'on a là ? Pas sprinter, tant pis, bon bah on va y aller. Pou-pip-pou-pip-pou-pip-pou. Ah. Hop. Ok, bah ça va, la vie est belle quand même. What? Ah non, me dis pas qu'il faut tout ce que je l'ai. Il a vécu 17 années. J'ai rien dit. Deux fois. Il avait tout reconstitué, de mémoire. Il connaissait les tendances du marché à l'avance. Il avait tout le nécessaire pour faire fortune, alors il l'a fait. Oui et non. Faut dire oui et non, chers amis. Hein. Je dis oui et non, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il a changé, enfin, le principe du temps, c'est plus tu changes, si tu changes quelque chose avant que d'autres choses arrivent, normalement tout doit changer. Mais bon. C'est autre chose. Excusez-moi, j'ai un nom qui est à moitié pété, ça me saoule. Alors, qu'est-ce que c'est? 2022. Paul m'avait dit qu'il avait essayé de changer le cours des choses. En vain. Ce qu'il avait vu l'avait dévasté. Bess avait connu le même sort. Mais Paul, ça l'avait consumé. D'accord. Hop. La longueur de ce mail. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, c'est bon. Comme ça au moins je suis sûr de vous avoir laissé le temps entre deux. Monter ne servira à rien, il n'y a plus rien par là d'intéressant, non. What the fuck? C'est quand même triste, hein, la réduction de la femme, voilà. Elle est qu'une paire de jambes, un fessier et un buste. Sinon le reste, ça sert à rien. Putain. Les gens qui pensent comme ça, ça me saoule. Bon, les filles. Ah les filles, ah les filles. C'est quoi ça ? Il était un homme de pouvoir, à la tête d'un véritable empire. Mais au-delà de ça, il était mourant. Les signes ne trompaient pas. D'accord. C'était uniquement grâce au docteur Amaral que Paul était encore en vie. Mais à en voir leurs échanges, ils entretenaient plus que de simples relations professionnelles. Je suis pas, nous savions que la fracture arriverait. Pas de tout commentaire à ce sujet. Nous nous sommes rapidement aperçus que l'événement surviendrait plutôt que ce que Paul avait prévu, que ses expériences nous portaient à... Que ces expériences nous portaient à croire. Oh là là, j'arrive à parler. Comme si ce n'était pas assez alarmant, nous avons un autre problème à l'instar de la fracture. L'état de Paul semble se dégrader de plus en plus vite. Je ne sais pas quoi en faire dans un cas comme dans l'autre. Je n'ai pas eu l'occasion de réaliser un examen approfondi de Paul et bien évidemment il se refuse à tout véritable test. Compte tenu de la gravité de la situation, pas question pour lui de perdre son temps avec ça. Il doit se préparer pour le gala, s'occuper de toutes les âneries que débite Martin. Oh là là, ça va plus. Il ne songe pas une seconde à sa santé et je crains que ça ne nous coûte très cher. Ce ne sont là que des spéculations, mais je pense que cette accélération était une conséquence des interruptions du temps. Lorsqu'il a atteint le point zéro, ses ondes cérébrales sont perturbées par l'excès de chronon qui parcourt son corps avant l'incident à l'université, avant la fracture. Sa maladie évoluait, mais restait contrôlable. L'absence d'interruption facilitait le confinement de ses crises. Aujourd'hui, son mal empire phonétiquement et je crains qu'il n'atteigne un seul critique très prochainement. Nous avons toujours su que c'était une éventualité, mais nous prévisions de nous projeter dans Passe-Fla avant des années, d'accord? D'ici là, nous espérions avoir trouvé un remède ou un moyen d'endiguer sa progression. Par conséquent, il est très probable que dans un avenir proche, Paul succombe à son mal. S'il devient un chronote, je n'ai aucune solution à proposer. Nous n'avons rien pu faire pour le Dr. Kim. J'ignore ce que nous pourrions faire pour Paul. Je ne sais pas quoi faire. Les médicaments fonctionnent toujours, mais ils diminuent grandement Paul. Et leurs effets sont atténués. J'ai peur qu'ils finissent par devoir en prendre point. Que leurs effets soient plus nocifs que la maladie elle-même. Nocifs, pardon. Et pourtant, je ne vois pas d'autres options. Il refuse de se reposer. Il tient à accomplir tant de choses. Je sais qu'il lutte contre sa dépendance au traitement. Il le voit comme une faiblesse, je crains de le perdre. Effectivement, ils sont plus que des amis.
Allons-y. Alors ça, vous voyez... Ah, oh, c'est Charlie qui est en train de se faire défoncer. Pauvre homme. Un type mourant. D'accéder au RCC. T'as pas l'air assez en forme pour ça. Comme tu voudras. Les munitions. Évidemment, il fallait qu'il y ait un de ces putains de trucs. Ah, j'ai pas mes pouvoirs. Hop, j'ai pas mes pouvoirs. C'est ça, non? Ok. J'ai pas mes pouvoirs, ça pue. T'as bouffe. Boum. Voilà. C'est con, quand ça marche plus, hein. Mais merde! Reste à terre et bouge pas. Va te faire foutre. Oui, tu as bien trop d'importance pour moi. Tu n'iras nulle part. Ah, il a arrêté de fonctionner son machin. Du coup, il est figé. Pas de raison de se faire... Ils mourront pour lui maintenant. Ok. À en voir son expression, j'avais plus de doute. Paul les menait en bateau. Il pensait qu'ils agissaient pour la bonne cause, pour le bien de tous. Liam Burke. Ils avaient toute avait une réserve choix. De particules chronométrées de la zone zéro pour alimenter une victime superflue. Suffisamment pour une espérer tenir jusqu'à ce qu'une solution viable soit trouvée. Je vais vous le laisser parce que celui-là. Hop, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hop, parce que là moi je vais être pressé par le temps malheureusement. Il y a des gens qui vont arriver à la maison. Faudra que j'aille ouvrir la porte. La tout entière reposait sur la contre-mesure. Il savait que Will essaierait de la récupérer, ce qui explique sa mort. Et il savait que je finirais par tenter ma chance aussi. 2, de toute évidence, il 3, avait raison. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est bon. Hop, oh non, pas le hockey maintenant. Pas le hockey maintenant. Hop, je peux pas sprinter toujours. Donc apparemment lui, il transportait les deux machines sur lui. Un truc pour arrêter mes pouvoirs et un truc pour avoir les siens. C'est pute. Je suis devant la salle du ce qui est stupide aussi parce que bon... Ça dépasse largement mon niveau d'autorisation, mais... Merci. C'était comme si j'entrais dans un sanctuaire. Il y avait des traces de Charlie Wincott. Où étaient gardées leurs reliques sacrées. J'ignorais ce qui s'était passé, mais quelqu'un avait nettoyé l'endroit derrière lui. Un homme du nom de Charlie Wincott. Je crois qu'il a essayé de s'opposer. Malheureusement, ça s'est mal terminé pour lui. Ok. Je vois. Crac. Ouais. C'est comme ça que vous traitez vos employés. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, c'est bon, d'accord, bon. C'est, vous voyez, c'est un peu trop long, hein. Il y a trop de texte, beaucoup trop de texte. Donc ça c'est fait, là il y a un truc au sol. Charlie Wincott, je sais toujours pas, Samouraï est donné. je sais toujours pas si Charlie est véritablement quelqu'un de bien ou pas, honnêtement. J'ai encore des doutes. Et je crois que j'ai dû oublier un truc, quelque part, et que je vais pas la voir. Quel dommage, quel dommage, quel dommage, quel dommage. Bon bah on y va. Yo!
Will avait mis 11 ans à construire la contre-mesure. Bess était morte pour elle. Et je savais qu'elle pouvait réparer la fracture. Cette saloperie. Le problème, c'est que j'ignorais comment elle fonctionnait. Le seul expert que je connaissais était mort. Mais c'est con, hein. J'avais un moyen d'aller le consulter avant que tout ça arrive. La machine a voyagé dans le temps de l'univers. Oh. Ça peut être bien. Ça... C'est une idée. Sa propre machine, au-dessus de la salle du RCC. C'est là que je devais aller. Vous pensiez pouvoir revenir dans le temps et sauver votre frère? Oui. Hop, on y va. Ouvre-moi cette porte. Crac. Hop. Et j'ai presque envie de nous dire de nous laisser là, chers amis. Parce que là, le temps passe, littéralement. Ils vont pas tarder à arriver dans quelques minutes, quelques secondes, peut-être même. Ça pue. Vous voyez, ça me... Paul avait pris le noyau de la machine de l'université pour le relier à sa propre machine. Ce besoin maladif de tout contrôler. Mais ça m'avait donné une dernière chance de tout arranger. Je pouvais remonter le temps. Et peut-être retrouver Will avant que Paul lui tire dessus. Et si j'arrivais à placer la contre-mesure dans les mains de Will, je pouvais peut-être tout remettre en ordre. Ok, je veux bien le croire. Oula. Ça pue, ça, par contre. Des armes. Des munitions. Bah, je vais faire, vous savez quoi, je vais faire une ellipse, je vais aller ouvrir la porte, tout ça. Puis je vais revenir finaliser l'épisode rapidement, le temps que ces gens seront occupés, pardon. Ouais, ça vaut mieux. Ça vaut mieux. A tout de suite. Hop, et hop. Ok, heureux, chers amis, on va finir ça rapidement. Les personnes ne sont pas arrivées, j'ai ouvert les portes, il y a des gens qui vont les accueillir à ma place, c'est pas grave, faut que je finisse ça rapidement. Le noyau était en place, la machine était prête. J'avais plus qu'à déployer le couloir. Déploie le couloir! Crac. Bon, ça devrait le faire. C'est le lit. Ouh, c'est joli. What the? Ok. Évidemment. Hop. Hop. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allez, meurs. Et merde. Vous allez vous... Bon bah tiens. Mais t'es sérieux? Bah oui, survie à ça aussi, tant qu'à faire. Allez, vas-y, on y va. Moi, j'en ai plus rien à faire. Tiens, bouffe. Hop. T'es mort aussi. Il y en a un autre qui se téléporte. Je capte pas. D'accord, non, il y a des interruptions de plus en plus violentes, en fait. Je peux avoir mon bouclier? Apparemment non. Apparemment j'ai plus de pouvoir en dehors de l'interruption, là autre chose. Bon, on va refaire, on va bien voir. Ok, salut les filles. Couché. Hop. Bon, alors l'arrache, ça ne marche plus. Ça va nous poser un problème, heureusement que je dois aller vite. Yo les filles! Toi t'es mort! Voilà! Ok! Je sais pas si je l'ai tué. Boum.
Hop. Allez, meurs. Ah, mais merde. Hop. Meurs, te dis-je. Hop. Où est-ce qu'il est allé? Là. Crac. Hop. Ok, les autres. Hop, voilà. Hop. Ok. Hop. Ah, j'ai besoin de me sauver la mise. Oh la vache. Ils sont nombreux, hein. Hop, c'est bon, on en a eu 3. Casse-toi. T'es mort. Hop. Oh la vache. Boum. C'est bon, allez. Ah, mais merde. C'est chaud. C'est carrément chaud. Hop. Meurs. Est-ce que je l'ai eu ou pas finalement? Qu'est-ce que c'est que ce mouvement que tu viens de me faire là? Hop. Ok, lui il est mort. Lui aussi. La suite. Ok, lui je l'ai eu. Mais merde. Voilà, lui il est mort. Hop. Hop. Est-ce que je vais pouvoir le faire? Non. Aïe. Ok. Et merde. Ils sont balèzes. Ah. Voilà. Hop. C'est bon. Me saoule toi là-haut. Aïe. Oh mais la vache. Oh, c'est quoi ce bordel? Comment je suis censé faire? Comment je suis censé faire ça? Bon, on va y aller au shotgun, hein, c'est pas grave. Hop. Ok. Ok, bonjour. Oh là là. Ah bah bien sûr. Tiens, vas-y. Esquive celle-là, ça va te faire du bien. Ah, j'ai pas eu le temps, dommage. Je vais essayer de lui sprinter sur la tronche, on va voir si ça marche. Non, ça marche pas. Ok, pourquoi pas. Boum, toi t'es mort. Boum, toi aussi. Ok,
Ceux-là, je les ai eus, c'est bon. Il y en a un qui a disparu là-bas. Voilà, eux, j'ai dû les avoir. Oh, le pauvre homme. Ah putain, c'est un gros. Hop. Bouf. Ok. Tu les sens, mes grosses balles, dans ton petit cul? Hop. Il va y avoir un pouvoir que j'oublie, c'est pas possible. Vous êtes sérieux, les mecs, là? Hop. Vais-je avoir le temps de l'atteindre? Oui. Aide-moi. Ok. Le sniper est mort. Hop. Non, non, tu te calmes. Tu te calmes, Simone. Hop. Couché. Ah. Tu veux... Qu'est-ce qui me chie? J'ai aucun pouvoir actif? Hop. J'ai dû passer trop près du bonhomme. On va attendre que ça recharge, c'est bon. Hop. Hop, c'est bon. Lui, je l'ai eu. Où sont les deux autres du cul? On voit plus qu'un, c'est pas bon signe. Couché. Son copain est là-bas. Mais s'il a un dispositif, comment je fais pour l'arrêter? Je m'approche pas normalement. Alors, comment je fais ça? Il y avait des carabines là, ça aurait pu m'être utile. Où est-ce qu'il est là-bas? Hop, les voilà, je l'ai eu. Bah dis donc, c'est compliqué à avoir ce bonhomme là. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Merci de votre patience. Petite machine extrêmement lente. Tout à fait. La machine bizarre, était prête. Hein. Il me restait plus qu'à programmer la date. Ah bah oui. Ah bah oui, puis refaites popper des ennemis aussi, tant qu'à faire. Allez, vas-y, programmation de la date. Je pouvais pas remonter plus loin que quand le noyau avait été activé pour la première fois. À l'université. Ça vous laissait peu de temps pour sauver votre frère. J'avais pas vraiment le choix. Et du coup, on va revivre... Ok. Eh ben écoutez, chers amis, du coup, c'est là qu'on va pouvoir se terminer enfin cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Donc, pour trouver les liens dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo!